La méditation de ce 13 avril est intitulée « Associé avec Christ ». Je suis le cep et vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Jean 15, 5. La fin est proche. Le Seigneur exhorte son Église à mettre en ordre ce qui ne l'est pas encore. À vous qui êtes ses serviteurs, il a donné le pouvoir d'introduire d'autres âmes dans le royaume des cieux. Il vous a choisi pour faire resplendir sa lumière dans le monde. Tout autour de vous, les anges que le Sauveur a chargés de vous soutenir sont prêts à vous communiquer la force et le courage nécessaires pour travailler au salut des âmes. Séparez-vous du monde, dans le monde, mais pas du monde, reflétant les brillants rayons du soleil de justice, étant pur, saint et portant la lumière dans les chemins et les sentiers de la terre. Que les églises se réveillent avant qu'il ne soit trop tard pour toujours. Que chaque membre accomplisse la tâche qui lui a été personnellement confiée et venge le nom du Seigneur qui l'a appelé. Qu'une foi solide et une piété sincère succèdent à la paresse et à l'incrédulité. Lorsque la foi s'appuie sur le Christ, la vérité fait les délices de l'âme et les services religieux ne sont plus languissants et sans intérêt. Jour après jour, vous acquérez une riche expérience par la pratique du christianisme. Des pécheurs se convertiront. L'instauration du royaume des cieux est retardée ou avancée selon l'infidélité ou la fidélité des hommes. L'œuvre est entravée parce que l'humain ne collabore pas avec le divin. Les hommes peuvent prier « Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel ». S'ils ne font rien pour que cette prière soit exaucée, leurs requêtes resteront sans réponse. Mais bien que vous soyez faible, sujet à l'erreur, pécheur, le Seigneur ne cesse de vous offrir sa collaboration. Il vous invite à recevoir ses instructions. En vous unissant à lui, vous pouvez accomplir ses œuvres. « Sans moi, dit Christ, vous ne pouvez rien faire. » Amen. Si tu as apprécié cette méditation, n'hésite pas à liker le petit pouce qui pointe vers le ciel et à partager.